Bonsoir, cher Patrick Chastonnet. Dans la vie courante, nous nous tutoyons car nous nous connaissons bien. Mais là, on va se voussoyer parce que ça sera peut-être plus simple. Voilà. Vous avez quitté l'enseignement supérieur, mais quand on est professeur des universités, comme vous, on ne le quitte jamais, vraiment, tout à fait. Et vous avez été, entre autres, professeur de sciences politiques à l'université de Bordeaux. Et depuis le temps que je vous connais, je vous associe à Jacques Ellul, et je ne suis pas le seul. Vous avez été un de ses derniers moniteurs, hein, autrement dit ce qu'on appelle un répétiteur de ses enseignements à Sciences Po Bordeaux. À l'époque, on disait l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Cette activité de répétiteur, je dis parce que c'est important, consistait à répéter les enseignements de Jacques Ellul à une population assez particulière qui était des étudiants américains qui venaient de l'université de Californie ou du Colorado et qui venaient certains spécialement pour cet enseignement de Jacques Ellul pendant une année ou un semestre à Bordeaux. Moi, j'aurais dit traduire quand même, mais pas traduire la langue. C'était pas parler de français en anglais, j'en aurais vraiment été incapable dans le détail. Mais il s'agissait de faire passer des notions qui, même des concepts qui était assez étranger à ce ouais, public. Hein. Ouais. Pardon, parce que répétiteur, je crois qu'on disait plutôt... On disait moniteur. Oui. Et justement, je ne pouvais pas répéter, mais pardon. Hein, pardon. Merci pour cette... D'ailleurs, ça montre bien votre souci sémantique et lexical. Alors, on va retrouver Jacques Ellul dans ce dernier ouvrage, dont je montre la couverture, « Les racines libertaires de l'écologie politique ». On le voit bien, il est devant nous, publié chez un éditeur aux éditions L'Échappée. Mais on va pas simplement retrouver Jacques Ellul, on retrouve cinq personnalités. Élisée Reclus, Jacques Ellul, je l'ai dit, Bernard Charbonneau, Ivan Illich et Murray Bookchin. Alors, en guise d'ouverture, j'avais prévu de vous poser une première question, je vais vous la poser. En référence à l'avertissement au lecteur, c'est un texte important pour bien comprendre le contenu de votre livre. Mais je voudrais juste que vous nous disiez ce que c'est pour répondre à une question que m'a posée un ami. C'est quoi ce légume? Il est vert. Alors, c'est du hashish, c'est une carotte verte, c'est quoi? Non. Oui, alors ça, effectivement, ça commence mal parce que j'ai pas de réponse précise. Et celui qui a fait, donc le graphiste, qui est par ailleurs, mais il est très modeste, qui est par ailleurs le directeur de cette maison d'édition, normalement, il était le mieux placé pour me répondre. Ouais. Et il m'a fait savoir. Il m'a dit, je vais me renseigner. Et quand j'ai su après que c'était lui qui avait fait la couverture, j'ai toujours pas la réponse. Bon, ben donc, c'est à trouver. Alors. Ce n'est pas. Alors, en revanche, oui, je peux vous dire ce que ce n'est pas. En effet, ça a été ma première réaction. Ce n'est pas du chanvre. Normalement, ce n'est pas une substance interdite. Non, mais ce qui est voilà. Très bien, c'est qu'on voit bien qu'il y a des racines. Et ces racines. Et je l'ai su quand même. J'ai eu une hypothèse d'un ami naturaliste qui m'a donné, mais évidemment, j'ai encore oublié ce que c'était. Voilà. Ça commence par M, je crois. D'accord. Mais bon. Alors, dans l'avertissement au lecteur, je vais vous lire, je vous citer, Patrick. Je ne fais pas mystère. Ouvrez les guillemets. Je ne fais pas mystère de la sympathie éprouvée envers ces cinq hommes dont j'aurais été fier de pouvoir me proclamer l'ami. Et vous ajoutez que tous les cinq partagent, là encore je vous cite, ouvrez les guillemets, une passion identique pour la liberté et pour l'amour de la culture qui vous semble tellement essentielle aujourd'hui qu'il vous donne envie de parler d'eux au présent. Ils ont tous disparu, le dernier étant Murray Bookchin, le plus récemment disparu en 2006. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement et nous dire pour quelles raisons vous avez choisi ces cinq-là que vous désignez? Et je reprends vos propres mots, comme un échantillon historique qui ne représente qu'une partie de l'écologiste et de l'anarchisme. Oui, alors c'est vraiment la question difficile. C'est vrai que c'est... je dirais que c'est un petit peu comme le travail d'un photographe. Je pense que le photographe, il est aussi dans la photo. C'est-à-dire que quand on avait ces débats, ces questions, est-ce que la photo va prendre la place de la peinture? Bon, ça a finalement peu de sens, parce que même un photographe
marque, même quand il fait un portrait, justement, il y a sa subjectivité qui transparaît. C'est-à-dire que pour chacun de ses auteurs, bon, je pense notamment à Bookchin, mais il y a des interprétations concurrentes. Il se trouve qu'en France, c'est le moins connu des cinq. Mais pour répondre à votre question, il y a le point commun, c'est qu'ils ont, pour moi, pensé ensemble l'amour de la liberté et l'amour de la nature. Mais vraiment ensemble. Et je pense qu'on va y revenir, parce que c'est vraiment le point fort. Et précisément cela. Alors, précisément cela, pourquoi ? D'abord, en effet, c'est certainement sur ce registre-là le livre le plus personnel, celui où je me dévoile le plus, parce que c'est pas vraiment un exercice que j'aime faire. Et je pense même que en plus, je suis encore à l'université, hein, puisque je suis professeur émérite, et je me suis toujours tenu, alors ça aussi, hein, nombre de mes collègues ne partagent pas ce point de vue, mais j'ai, de ce point de vue-là, une conception weberienne. C'est-à-dire que j'ai été marqué, comme vous sans doute, par ce texte fondamental qui est justement qui est le savant et le politique. C'est-à-dire, bon, en réalité, c'est deux conférences, et c'est la vocation avec Bérouf, qui veut dire, ouais, le métier, la vocation, la besogne, de savant. La besogne, oui, alors certains. Ça, c'est plus la besogne, mm-hmm, pour quand on le réfère à la foi, et notamment à la foi calviniste, hein, qui renvoie justement à ce qu'il a fait par ailleurs. Mais pour recentrer sur la question de Weber, c'est la question de la neutralité axiologique. Et évidemment, notamment ce cours, hein, que j'avais créé à Bordeaux, et d'ailleurs, il est question d'en réduire le volume et la portée, ça ne manque pas de sol, comme il a été aussi... dès que je suis devenu émérite, on s'est empressé de supprimer. Même, je dirais, j'étais encore à l'université, on a supprimé le cours que j'avais créé sur technique et politique dans la pensée de Jacques Ellul, c'est-à-dire comment les questions techniques, technologiques, comme on dit à tort d'ailleurs, en termes, on n'a qu'à parler des fake news, comment justement elles influent sur les questions politiques. Je sais que je suis un peu long, mais c'est important. Pour dire que je me suis tenu à cette règle, qui était notamment, d'ailleurs, même dans ce cours de pensée politique contemporaine, j'avais fait, c'est pas original, mais c'était le jeu des sept familles, et j'avais montré toute la diversité des courants écologistes. Bon, c'est pas par hasard, bon, après... Vous le rappelez, oui, je le rappelle, je le rappelle, c'est vrai. Et puis, l'ensemble, je ne vais pas les décliner ce soir, mais bon, il y en a sept qui sont assez faciles à retrouver, et puis c'est pas le sujet, sinon je vais encore être plus long. Quoi qu'il en soit, là aussi, je me suis dit, bon, au moment vraiment de... J'ai accumulé pour ce livre, c'est vrai, hein, au moins j'essaie de ne pas fatiguer mes lecteurs. Bon, c'est un livre tous les quatre ans, mais j'ai lu lu et relu, puisque et pour Ellul, et pour Illich, et pour Charbonneau, c'est plutôt relu, mais une bonne centaine de livres. Mais je suis allé chercher, au passage d'ailleurs, hein, pourquoi c'est cinq ? Parce que d'abord, il y en a trois que j'ai connus. Oui. Un, très très bien, je crois, puisque je l'ai fréquenté, alors je l'ai rencontré en 73, on a commencé vraiment à parler tous les deux, en 76, 76, 77, etc. Charbonneau, dans le prolongement d'Ellul. D'Ellul, oui. Pas immédiatement. Et Ivan Illich, curieusement, j'avais lu un livre... Et là, vous racontez votre rencontre. Oui, d'ailleurs, vous êtes mêlés d'une certaine façon aussi, il y a un complément d'information. Oui, oui. Mais moi, j'avais vu une première fois, ça faisait 12 ans qu'il n'était pas venu en France, parce qu'il était venu en 72 pour le procès, la Gisèle Halimi, procès de Bobigny. Voilà. Et puis, il est resté sans venir, et puis il est venu en 84. Qu'est-ce que vous aviez lu, Patrick, de lui, à ce moment-là, La convivialité, Némésis médical? Alors, justement, c'est exactement ça, c'est-à-dire que j'avais lu, c'est même, d'ailleurs, je crois, à Sciences Po, La convivialité, parce que c'était vraiment l'auteur à la mode. Oui. On parlait, moi je suis arrivé à Sciences Po, j'étais très ignorant, parce que pour toute une série de raisons, j'étais ignorant de beaucoup de choses. C'était Sartre, je connaissais Sartre, Camus, et j'avais jamais entendu parler de Jacques Ellul, parce que je suis pas du tout bordelais, je l'ai jamais été, je suis pas bordelais, quoi. Bon, et ça a été la découverte. Mais ceux qui faisaient pour les étudiants, alors c'est pas tous les étudiants, hein, c'est sûr que le cercle Roger Nimier ou certains,
c'était pas leur tasse de thé, mais ceux qui étaient entre guillemets les étudiants subversifs à Sciences Po dans la section politique et sociale, c'était la règle et non pas l'exception. Donc il m'est arrivé dans ma vie d'être dans une tendance majoritaire. Ça n'a pas duré longtemps. C'est heureusement tout est revenu à la normale depuis. C'est que bon, je suis toujours dans la minorité tout le temps, partout. C'est pas grave. Et Illich, bah finalement, j'avais lu un livre. Parce que bon, c'était Marcuse, il est chez Marcuse. J'en suis resté là, et puis après, comme je travaillais aussi beaucoup pour Sud-Est Dimanche, qui donnait une grande place aux idées, aux entretiens, et là j'avais vraiment carte blanche, si on peut dire. Je devais interviewer Ivan Illich. Alors là, évidemment, bah, comme vous l'avez fait ce soir, on fait les choses sérieusement, c'est-à-dire que. On se met à lire parce que je savais que j'allais rencontrer. Alors, c'est pas le même rapport, mais moi j'avais une pression énorme d'aller rencontrer ce personnage très connu. Donc, je me suis mis à lire un certain nombre de livres. On a passé une journée à Bordeaux. J'ai mené l'interview. Il a été publié. Il y avait j'étais content parce que j'étais entre guillemets jeune journaliste. Il y avait la une et il y avait des déclarations. Il y avait des débats sur la crise. Bon, il y avait des choses intéressantes. Le vrai contact, enfin, les vrais échanges. Donc, ça a quand même bien démarré. Il y aurait bien des anecdotes à ce moment-là, mais c'est pas très important. Et je l'ai retrouvé après à l'occasion du. Bah, c'était. Alors là, c'est 93. Le colloque international. Élu meurt en 94. Et il fait ce. On va y revenir, voilà. Patrick. Parce bon, qu'on prend mais alors, hein. Je repars. C'est vrai. Je reviens à ce que je disais. Pourquoi? Bon. Et puis Charbonneau, c'est vrai que là aussi, je les ai vus. Dans les moments importants de leur vie, puisque Charbonneau, après. Et dans les deux cas, je continue des échanges, etc. Donc. Là, ces trois-là, ce sont des amis de chair et de sang. Et il se trouve, Jean-Paul et moi, des saints. Ce sont des pensées incarnées, ce sont des pensées vivantes. Ils sont dans leurs pensées, alors, ils pensent ceux qui vivent et ils vivent ceux qui pensent. Bon. Alors, je parlais des trois êtres de chair et de sang. Ah. Les deux autres, ce sont ce que j'appelle les amis de papier. D'accord. Alors, c'est-à-dire, ceux-là, pour le coup, évidemment, peut-être que pour Murray Bookchin, ça aurait été peut-être matériellement possible. Ça voulait dire que je me déplace. Mais ça risquait pas d'arriver parce que à cette époque-là, je connais absolument pas Murray Bookchin. Hein, et vraiment, fallait être. Il n'était pas traduit. Élul en parlait. Alors, j'ai pensé des textes. Élul en parlait, mais c'était une mention. Il y avait Bookchin comme ça, incidemment. Et j'ai retrouvé aussi après dans la bibliothèque d'Élul des annotations. Donc, il arrive à Bookchin de parler d'Élul. Qui n'a pas lu, parce que vraisemblablement il l'a lu à travers un autre auteur. Il dit des choses très, très, très bon, pas grave, mais il y a beaucoup de choses. Mais pourquoi c'est Élisée Reclus? Ben, finalement, Élisée Reclus, oui, parce que tout est là, c'est-à-dire la racine, pour le coup, elle est là, c'est-à-dire que c'est la racine, selon moi, c'est pas l'avis de tous les anarchistes, c'est pas l'avis de tous les écologistes, mais c'est évidemment, enfin, là encore, c'est des. Bon, je considère qu'on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord tout le temps sur tous les sujets avec moi. Je suis moi-même souvent pas d'accord avec moi. Mais, et oui, mais Reclus, c'est vraiment lui. L'anarchisme, même la question de l'entraide, on dit, on attribue ça à Kropotkin. Mais non, ça, en fait, ça vient de Reclus, son ami d'ailleurs. Oui, hein, c'est l'idée d'entraide. Bon, donc, tout. Et puis. Attention, le sentiment de la nature, la revue des deux mondes, autour de 1860, bah, il met le doigt sur des questions essentielles. Que reprendra Charbonneau, avec un texte d'ailleurs, et c'est drôle d'ailleurs, parce que, sauf erreur de ma part, Charbonneau ne mentionne pas Reclus. Donc, ces cinq-là, et puis, ils se complètent, c'est-à-dire qu'ils sont... Bon, alors, voilà, Patrick, ils se complètent. Pardon, je avance un peu, parce que j'ai quand même pas mal de pages de notes. Hein, il reste 21 questions. Et il en reste pas mal, alors on va pas toutes les traiter, mais bon. Dans votre introduction, je vous lis encore, vous dites « Dans notre esprit, libertaire est indissociable d'anarchiste. Mmh. » Et vous dites bien qu'on ne doit pas confondre aucun de ces trois termes entre eux, « libertaire » avec « libéral libertaire » ou « libertarien ».« Libertarien hein, ». Mmh. Alors, puisque vous avez évoqué le terme des racines, dans votre titre, vous avez retenu l'expression « racine libertaire » et pas « racine anarchiste ».
Alors, expliquez-nous le choix sémantique qui n'est pas rien, là. Non, c'est pas rien. Pourquoi ? Parce que, d'abord, comme vous l'avez souligné en introduction, il y a la question de la liberté. Hein. Et je dirais que le mot liberté embrasse plus large. Il y a à la fois des bonnes et des mauvaises raisons. Alors, ils ne sont pas, évidemment, ils ne sont pas libertariens, puisque les libertariens, c'est une idéologie, c'est de l'anarcho-capitalisme, c'est de l'ultra-néolibéralisme. Donc, je dirais qu'on ne peut pas aller plus loin dans l'opposition. Bon. Libéral-libertaire, c'est une espèce de catégorie confuse, où on met tout ou rien, et souvent, c'est l'idée que, sur le plan des valeurs, eh bien, on est permissif sur tous les sujets, notamment tout ce qui relève de la morale la plus étriquée, ou la, d'accord, très bien, ou la morale sexuelle, etc. Mais sur le plan, on ne touche surtout pas au système économique. Bon, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on met absolument pas en cause le fondement, qui est le fondement capitaliste de nos économies, sur lequel on reviendra, sur lequel reviennent ces auteurs. Et le libertarien. Alors, mais le libertarien, c'est réglé, c'est l'anarcho-capitalisme. Les libertariens, ce sont ceux qui considèrent que, eh bien, il ne doit pas y avoir d'État, mais tout simplement pour permettre au business sous toutes ses formes, dans aucune limite, hein, de fonctionner. Bon, c'est un courant qui est surtout représenté aux États-Unis. En France, ça reste très marginal. Vous citez Élisée Reclus. Oui. C'est dans votre introduction, il y a des phrases de ces cinq auteurs. C'est très intéressant sur une page. J'en ai retenu une parce qu'elle paraît surprenante. C'est un oxymore apparemment, mais quand on y réfléchit, vous allez vous dire que c'est pas du tout le cas. C'est d'Élisée Reclus, justement. Je rappelle, hein, donc grand géographe, écrivain, né en 1830 à Sainte-Foy-la-Grande, il a cette phrase : l'anarchie est la plus haute expression de l'ordre. Oui, c'est évidemment pour ça, si vous voulez. Quand je parlais des bonnes et des mauvaises raisons, il y a une confusion dans l'opinion qui est absolument complète sur ce qu'est l'anarchie et l'anarchisme. Et c'est en partie la raison pour laquelle, c'est pas la seule, c'est en partie la raison pour laquelle j'ai arbitré entre anarchiste et libertaire. Bon. Pourquoi ? Parce que dans l'opinion, pendant très longtemps, et d'ailleurs Élisée Reclus s'en distingue, l'anarchisme a été réduit à une de ses composantes. La bombe. Ce qu'il appelait les bombistes, ouais. Donc la propagande par le fait. Voilà. Aujourd'hui, son équivalent, c'est les Black Blocs. Hein. Bon. C'était plus violent parce que Netchaïev, c'est pas. On va essayer pour le coup de pas se disperser là-dessus. Bon. Et il y a un usage aussi qui vient, je dirais, compliquer ce tableau, déjà compliqué. La confusion, mais c'est pas à dessein, où là, vraiment, les autorités vont appeler anarchiste tout ce qui est anarchisme, tout ce qui relève de formes de terrorisme et de violence, qui n'est ni islamiste, ni d'ultra-droite, pour aller vite. Quoi. Et ils qualifient ça d'anarchiste, c'est une façon de discréditer. Non, totalement, donc on a rappelé anarchiste. Qui n'en rien, d'ailleurs, dans les deux cas, ça ne relève absolument pas de l'anarchisme. Alors, la raison, c'est malgré tout attention effectivement à l'usage commun. Donc, mais je vous l'ai dit aussi, pourquoi ? Parce qu'il y a deux auteurs. Pourquoi j'ai pris aussi ces précautions ? Parce que Ivan Illich, en revanche, même si c'est mon hypothèse, et c'est aussi le cas de Bernard Charbonneau, c'est, je dirais, l'anarchie sans le drapeau. C'est d'une certaine façon ce que disait aussi Léo Ferré, le drapeau noir, c'est encore un drapeau. Ce sont des gens qui considèrent que le problème dans l'anarchisme, c'est que c'est le isme. C'est qu'on a fait de ce désir de liberté un système. Et qui dit système, eh bien, dit justement le contraire de la liberté. Et c'est pas par hasard, d'ailleurs, que Bernard Charbonneau a intitulé un de ses livres fondamentaux, je ne dis pas que c'est le plus beau, c'est un de ses livres fondamentaux, « Le système et le chaos ». Et non pas le système et l'anarchie. Justement, pour le coup, il ne prend pas l'anarchie. Bon.
Ça, c'est les éléments extrêmement... Mais c'est en effet extrêmement important. Et ou d'autres ont pu dire aussi, Proudhon sans doute, l'ordre, c'est le désordre moins le pouvoir, ou d'autres formules de ce type. Mais je crois en effet qu'il y a cette idée qui, évidemment, vient bousculer nos représentations. Alors, cette confrontation au pouvoir, je rebondis sur ce que... Sur votre dernière expression, Patrick, nous renvoie alors à un autre terme qu'il faut définir aussi ou déconstruire, c'est le terme écologisme. Et à propos des relations entre écologie et politique, puisque on est au cœur là de votre étude, alors j'entends moi le mot politique comme ce que Frédéric Bailly appelle l'arène, hein, pour la conquête du trophée politique, hein, ou des trophées politiques. Vous avez cette réflexion qui mérite, à mon sens, quelques commentaires. Là encore, je vous cite. Hein. « Limiter le développement industriel et la croissance économique était déjà au cœur des préoccupations de Reclus, Ellul, Charbonneau, Illich et Bookchin. » C'est page 13. Ce qui ne fait pas pour autant de l'écologisme un anarchisme tant s'en faut, écrivez-vous. Pourtant, ces auteurs ont fourni une partie du corpus idéologique des partis verts, ce qui peut sembler d'autant plus paradoxal qu'il manifestait un profond scepticisme, sinon une franche hostilité à l'encontre de la politique politicienne en général et de l'engagement partisan en particulier. Pas persuadé que tout le monde apprécie ce texte dans les partis politiques actuels. C'est bien possible, mais... Ah non, j'ai même la réponse pour en avoir discuté avec certains de mes amis. Oui, ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas l'entendre pour certains et certaines... Mais ça restera la vérité. C'est-à-dire que... Mais c'est la vérité, c'est pas parce que c'est tellement évident. Il suffit tout simplement de lire les textes. Mais c'est vrai que c'est un sacré paradoxe. C'est tout à fait intéressant. À l'époque où... Je ne peux pas dire ça parce que ça va encore dire que je fais de la polémique, mais je me souviens très bien, je m'en servais pour mes cours, et j'étais, je consultais le site de... Oui, c'était en, je crois que c'est plus, c'était en 2004 ou 2005, le site de Internet d'Europe Écologie des Verts. Et il y avait quelque chose qui s'appelait nos classiques ou nos références. Et tout, et plus, il y a une enquête, il y a un livre d'enquête aussi sur quelles sont les lectures des leaders politiques écologistes. Mmh. Et il y avait, je sais que ceux qui avaient répondu au questionnaire, autant que je me souvienne, mais il faut quand même que je reparte sur la remarque là, tout à l'heure, il y avait donc Dominique Voynet, il y avait André Buchmann, il y avait Antoine Vechter, etc. Peu importe, il y avait deux choses. D'une part, là, dans ces questionnaires, il y avait ces auteurs qui apparaissaient, l'ensemble, hein, d'ailleurs, mon palmarès, là, les cinq, là, ils y sont, tous les cinq. Et sur le site, là, je ne vais pas perdre le fil, ça m'arrivait exactement dans mes cours, ça partir sur tellement de choses, et hop, c'est pareil, ça n'a pas changé. Mais je vous surveille. Il faut me surveiller. Et donc, j'allais sur leur site, André Gorz. Voilà, il y avait André Gorz, mais moi, ce n'est pas mon sujet. Non, pas que Gorz, j'ai consacré d'ailleurs un chapitre à André Gorz dans mon cours. Mais là, bon. Mais il y avait André Gorz et puis les cinq. Donc, c'est-à-dire, et c'est là, en effet, c'est quand même un sacré paradoxe. Puisque, et puis alors là, pour le coup, c'est des choses que j'ai. je pouvais même en discuter avec Ellul, puisqu'on m'envoyait, je me rappelle, je pense que c'était Guilbeau pour le. Ça s'appelait le Nouvel Observateur à l'époque, m'avait envoyé, donc revoir Ellul, puisque c'était l'époque où j'avais déjà commencé mes entretiens avec lui, pour lui demander ce qu'il pensait de la création d'un parti vert. Par exemple. Donc il y avait à la fois le programme, et le programme, là, on ne peut être que d'accord, puisque c'est en gros. C'était à l'époque de la fondation, le programme a beaucoup évolué après et est parti vers d'autres choses. Et puisqu'il disait au contraire, ce sont nos idées avec Charbonneau depuis les années 30. Bon, très bien, quoi. Bon, alors après la question de créer un parti, il me dit non, ce qui va se passer, il y aura une écologie de droite, une écologie de gauche, une écologie du centre, une écologie d'extrême droite, une écologie d'extrême gauche. Et quelques années plus tard, sous les élections européennes, je vais apparaître cette liste. Il n'y avait pas encore de parti animaliste. Bon, qui est autre chose d'ailleurs, ce qui nous emmènerait loin. Bon. Mais bref, tous ces auteurs, leur point commun, c'est pas par hasard qu'Ellul a écrit l'illusion politique. Je veux vous dire que bon, il reprend à son compte. Enfin, là, il le dit pas lui comme ça, parce qu'au passage, ça, c'est moi qui dis qu'il le dit, mais il le dit pas comme ça. Mais lui, ce qu'il écrit, hein, l'engagement, c'est la mise en gage.
Bon, l'histoire de mise en gage avec les anciens qui peuvent savoir ce que c'est. Hein. Allez, bon. Bon, peu importe, d'aller la, voir la, c'est la veuve. Bref, de mettre des biens en gage, hein, une belle montre, une alliance. Bon, le, bon, le, mon, bon, le monde piété. Le monde piété. Voilà, l'engagement, c'est la mise en gage. Quoi. Bon. Et puis, d'une certaine façon, c'est, bah oui, un homme de parti, c'est la partie d'un homme. Hein. C'est, tous ces auteurs, leur point commun, pour le, ça fait partie de leur point commun, c'est voter, c'est abdiquer. Et alors, Ellul, mais dès avec là... Avec des petites nuances, pardon, Patrick, hein, parce que je me souviens qu'Ellul disait « Je n'ai jamais voté de ma vie, sauf aux élections municipales à Pessac ». Oui, alors, oui, mais enfin... Non, mais vous confirmez il, ou oui, confirmez mais non, pas du tout, parce qu'il avait d'abord, il n'avait pas de carte d'électeur, et ça, il ça, a voté... Quand on, pour, non, si on veut, si on, jamais on veut voter. Ça, c'est, non, c'est... non, mais... Il est, oui, ça, c'est vrai, au passage, on peut voter sans carte d'électeur. Il a voté normalement, en 1936 pour le Front populaire. D'accord. Et à ma connaissance, il n'a pas voté. D'accord. Au passage, d'ailleurs, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites là, là-dessus, mais comme toujours, mais c'est le local. Et la Boukchine, c'est oui, là, en effet, Boukchine, c'est le municipalisme, c'est la question locale. Ouais, bon, voilà. Mais même, ça passe pas lui dans son schéma par l'élection. Il n'empêche que il a aidé. D'ailleurs, il a aidé quelqu'un qui Asperelli, quelqu'un qui est devenu célèbre, c'est Bernie Sanders au passage. Mais pour revenir sur le noyau dur là, et vous avez touché du doigt les contradictions. Oui, ça ne empêche pas. On est d'accord. Vous me dites l'écologie politique. Bon, on se réfère beaucoup à ses auteurs, mais c'est quand même un paradoxe. Oui, vous avez tout à fait raison. Il se réfère, mais peut-être que ben, c'est humain de faire ça. On met de côté ce qui nous déplaît. Mais je reviens, voter, c'est abdiquer. C'est vraiment retrouver cette, quand même cette idée. Et bon, alors ça, je sais que je là-dessus, c'est oui, c'est surtout reclus, mais c'est pas que lui. C'est pas que lui. Donc je force un peu le trait. Ellul a eu quand même sur ces questions-là des choses. C'est là où je voulais y venir tout à l'heure. Moi, je me rappelle d'un article de. Alors, je ne me rappelle pas de l'avoir lu à cette époque, et pour cause, mais je me rappelle très bien, dans mon travail, l'avoir photocopié. Je l'ai depuis tellement longtemps lu et relu à chaque fois, « Dictature et démocratie », etc., où, vraiment, il est extrêmement sévère, pour plus même dans l'illusion politique, c'est-à-dire que, en gros, sur la comédie électorale et sur le système démocratique tel qu'il fonctionne. Alors, attention à une question que vous ne m'avez pas encore posée, mais que je réponds bien volontiers. Ce sont des démocrates, c'est-à-dire que c'est pas, ce sont des profonds démocrates, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils sont contre la, c'est précisément parce qu'ils ont une très haute idée de la démocratie que justement, eh bien, ils cherchent à la fonder sur autre chose que le système électoral et la conquête du pouvoir central. Alors, on va naviguer, si je puis dire, entre les cinq là. Le personnage d'Élisée Reclus, on ne peut, en lisant votre chapitre, le chapitre que vous lui consacrez, que être, j'allais dire, presque déçu que cet homme ne soit pas plus connu, ah, oui. Et j'allais dire en particulier, ah, oui. Même dans son département. Ah, oui. D'origine, quoi. Hein, bon, oui, bon, oui, il a une vie un personnelle incroyable. Vous rappelez que son père, qui est un pasteur protestant très rigoriste, l'envoie avec son autre frère en Allemagne, oui. Dans un endroit improbable, mm-hmm. dont le directeur est, on va dire, en termes peu sympathique, un vrai salaud. En fait, oui, hein, oui, bon, totalement. Vous dites oui. Cette phrase Élisée Reclus comprend que cet homme est faible avec les forts et dur avec les petits. Hein. Et il rentre à pied d'Allemagne à l'âge de 14 ans. C'est vers Mannheim, si je me souviens bien. Oui. À Sainte-Foy-la-Grande. Bon, ben voilà. Il a une vie. Il est aux côtés des communards. Oui, il est arrêté, les armes à la main, par les Versaillais. C'est, il fait 10 mois avoir, oui. Sur les pontons de Brest. Non, c'est vrai que j'ai interrompu là-dessus. Vous allez perdre le fil. Non, mais pour avoir connu justement l'internat, moi, dans les années 60, ce que pouvait être dans. Au nord de la Vendée, justement. Non, mais vous étiez chez les frères de Saint-Jacques, de Saint-Georges en Paillé, les frères. Non, les frères non, c'était des pires. J'étais chez, enfin, pas trop passer sur mon cas, mais ouais. Sans donner le détail, mais c'était chez les frères de Saint-Gabriel. De Saint-Gab, c'était Saint-Laurent-sur-Sèvre. Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et donc le nord de la Vendée, la partie. C'est franchement, c'est pour des enfants, justement, c'était absolument une horreur, quoi. Ouais. Et là, on était au 20e, c'était bon. Alors, on parlait de Reclus. Ce qui est très intéressant, c'est cet homme. Je parlais de sa détention 10 mois sur les pontons
de Brest. Il faut savoir quand même que il est libéré à la suite d'une pétition internationale dont Darwin est un des signataires. Oui. Quand même, hein. Ça c'est bon. Et alors, ce qui est très intéressant avec Rives et Recu, c'est un des pionniers de l'interdisciplinarité des connaissances. Et je voudrais que vous parliez de ça parce que c'est quand même extraordinaire. C'est vraiment un honnête homme et un humaniste. Oui, tout à fait. Sur le modèle de la Renaissance au 19e. On peut le dire comme ça. Oui, oui, oui. Il y a surtout aussi une chose dont on peut parler. Il faut vraiment tous. Bon, ceux qui le connaissent, bien sûr, mais il y a. En fait, c'est excellent. C'est comme quand on conseille à un ami à la lecture d'un livre qu'il n'a pas encore lu. C'est le bonheur de ne pas encore l'avoir lu. Ou un film ou une série. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on l'invite. Eh bien là, c'est ce bonheur de lecture. C'est-à-dire que non seulement il a ce savoir encyclopédique, qui est extrêmement rare, d'ailleurs, qu'on pouvait avoir au 19e. C'est-à-dire qu'il est curieux de tout et que... il manie à la fois la connaissance, on peut le dire, la connaissance du monde, sans mauvais jeu de mots, puisqu'il publie dans la revue de Deux Mondes. Mmh. Il a même gagné sa vie pendant un moment en travaillant pour des guides. Et c'est voyager partout dans le monde en œuvre libre. Mais c'est aussi, évidemment, le travail, alors là, c'est beaucoup plus classique, du géographe qui établit des cartes, qui travaille dans les bibliothèques. Et il est tout ça à la fois. Et mais aussi, c'est que c'est extraordinaire, c'est que même dans des articles et des livres qui ne sont pas finalement des livres de littérature ou de vulgarisation, son style est absolument exceptionnel. Ah mais il est très drôle parce qu'il suit les questions d'actualité et vous racontez page 24 qu'il est très remonté contre le projet. De police, de la fameuse transformation de la police, avec l'invention du fichier des empreintes digitales du fameux célèbre Bertillon. Et donc il dit précédemment, même un État populaire opprimera ces sujets, ça on va dire qu'en termes de science, c'est quand même particulièrement bien vu. Mais là, quand je disais qu'il a un style où il est très drôle, il dit... Marx le détestait, hein, pardon. Hein. Ah bon Marx le détestait, lui et son frère. Il a beaucoup plus d'humour que Marx. Hein. Je le crains. Bon. Et il dit en particulier, parce qu'on a suivi ensemble les cours d'Ellul sur Marx, bien sûr, il dit, les éreclure à propos du projet Bertillon, que la police et la science se sont entrebaisées. Ah oui, c'est excellent. Ça, c'est cette formule. Je pouvais pas passer à côté. Ben moi non plus. C'était cette langue qui est très très dans le contexte. Et en effet, c'est-à-dire qu'il touche du doigt quelque chose qui va être. En effet, c'est bien d'avoir repéré ce détail. Je m'en promis un grand avenir qui est la police scientifique, qui pour le coup va faire ce que Proudhon avait aussi repéré, ce que faisait l'État, qui nous suivait à la trace, qui nous mesurait, comptait, calculait, encerclait, corsetait. Enfin, je ne sais pas, Proudhon a rempli deux pages, mais ma mémoire ce soir ne me permettra pas de les réciter. Puis en plus, je n'apprends jamais les choses. Alors, c'est dans une correspondance avec quelqu'un que j'ai découvert, Jean Grave, autre figure de l'anarchiste, éditeur du Révolté et de la Révolte. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, lui est très inspiré par Kropotkin, et Kropotkin. Voilà. Ouais. C'est là qu'il y a cette fameuse phrase voter, c'est abdiquer. Voilà. Alors, on va passer à Ellul. On papillonne, mais c'est un peu l'objectif. Hein, puis il faut que le temps passe. Donc, à propos de voter, vous évoquez effectivement que Ellul vote en 36 l'élection du Front populaire. Et là, vous dites qu'il pense vraiment que l'heure de la révolution vient enfin de sonner. Vous écrivez ça, page 35. Sur Ellul, là, on aborde un autre aspect qui est anarchisme et foi chrétienne. Là encore, je vous cite. C'est vous qui citez Ellul, hein. Ellul écrit, je ne cherche nullement à convertir, entre guillemets, dit-il, des anarchistes à la foi chrétienne. Réciproquement, je ne cherche nullement à dire aux chrétiens qu'ils doivent devenir anarchistes. Et pourtant, si on peut faire le lien avec Élisée Reclus,
Diriez-vous que le fait que ces deux intellectuels étaient de confession protestante a eu une importance dans la structuration de leur pensée sur l'anarchisme et sur l'écologisme? Alors, Reclus s'en défend. C'est-à-dire que Reclus, justement, Reclus, il a Reclus, eu... Reclus, il existe avant Max Weber. Hein. Alors, justement, oui, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que Reclus, bon, il y a un phénomène de rejet que je peux parfaitement bien comprendre. Il a été, je dirais, il est tombé dedans, quoi. Il y a de quoi être traumatisé. Donc, il a rejeté, mais extrêmement violemment, tout ce qu'il pouvait y avoir de religieux. Mais comme on n'échappe pas à l'air que l'on respire, il y a des choses qui sont, pour moi, mais typiquement, justement, à la fois... une démarche chrétienne et mais c'est extraordinaire, chrétienne et protestant, et cette idée aussi du petit, il ne formule pas comme ça, mais c'est l'idée du petit troupeau. Et Reclus est passionnant parce que lui, là c'est le point commun d'ailleurs avec les autres, c'est l'idée que la révolution elle se fait, c'est pas le grand soir, surtout pas d'ailleurs, il n'y a pas d'avant-garde, il doit pas y en avoir, c'est le petit troupeau et c'est ici et maintenant. Et ces conceptions gradualistes, c'est des par petites secousses, et qu'on peut instaurer un îlot, une sorte d'oasis de paix, d'égalité, de bienveillance dans ce monde de fureur. C'est cette idée, et qu'on avance, et qu'on avance. Il y a du christianisme chez Reclus, je dirais, à son insu. Chez Ellul, le christianisme, il est permanent. Et je dirais que l'anarchisme, il a été constant. C'est pas, c'est-à-dire que ce qui est tout à fait... J'ai repensé à ça, d'ailleurs, en venant. Et ça vaut pour Ellul, et je me suis appliqué. Ça m'avait beaucoup marqué. C'est-à-dire que... Si on voit un texte d'Ellul de jeunesse, la première déclaration que j'ai pu trouver explicitement anarchiste chez Ellul, c'est un article dans Réforme, donc c'est Réforme étant un hebdomadaire protestant, dans un article qui s'appelle Proposition louche, et il dit, mais là j'imagine d'ailleurs aussi la tête des lecteurs à l'époque, c'est un article de 1948, après-guerre, là, et il dit bon, je ne dis pas que c'est la solution universelle qui vaut tout le temps, partout, toujours, mais compte tenu du contexte actuel, pour la France, eh bien, l'anarchie est la solution politique qui devrait être la plus cohérente. Bon, et là encore, c'est d'une certaine façon le jeune Ellul encore. Et moi, ça m'a fait penser, et puis son livre Anarchie et Christianisme. Où là, c'est vraiment un livre de la grande maturité, puisqu'il est mort en 94, hein, plus que de la maturité. Donc le livre, là, il prend son temps, et il marie ces deux contraires apparents. Ça, c'est d'ailleurs, Ellul adore les paradoxes, avec une démonstration qui est extrêmement pertinente, et qu'il faut évidemment regarder, même si, par définition, on n'est pas d'accord. C'est toujours ce qu'il faut faire, lire ceux avec qui on n'est pas d'accord. Sinon, c'est pas intéressant. Et il arrive à la conclusion que ça tient. Moi, ça m'a fait penser à une chose que m'avait très très personnelle. Je vais être très bref. J'avais 17 ans et demi, sans doute, à cet âge-là qu'on apprend le code, la conduite, etc. J'avais un prof, un moniteur, qui m'avait dit. Je pense qu'il avait dû être briefé par mon grand-père. D'auto-école. Ouais, d'auto-école. Il m'avait dit. Je revois encore ce monsieur dont j'ai oublié le nom, mais je vois très bien c'est un gros monsieur là. Et je pense qu'il avait été briefé par mon grand-père, qui ne partageait pas mes idées, c'était lui qui me l'avait. Il m'avait dit, mais à 20 ans, ça tombait bien, quand on n'est pas anarchiste, c'est qu'on est un salaud. Si on l'est encore à 40, c'est qu'on est un imbécile. Oui, j'en ai plus de 60. Oui. Et Ellul... On prête à Churchill une phrase un oui, peu pareille. Oui, c'est extrêmement intéressant. Non, mais je veux dire, c'est extrêmement intéressant. C'est aussi une vision pour moi. Mais ça reste, c'est la vision commune. Mais je reviens, parce que à cette corrélation entre écologie et protestantisme, page 197. Oui, mais une connaissance approfondie, écrivez-vous, de la pensée écologiste révèle que cette dernière plonge ses racines dans ce qui est présenté généralement comme son antithèse, la religion. Singulièrement dans la veine puritaine du protestantisme, oui. Le nombre de figures de l'écologie liées à la culture protestante est en effet impressionnant.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, d'une certaine façon, il y a, je dirais, tout le courant conservationniste, préservationniste, anglo-saxon, et donc qui a fait le cœur, c'est-à-dire, bon, éventuellement britannique, mais surtout américain. Ce ne sont que des protestants. Je ne sais pas si on peut dire, parler de John Muir, si on peut parler de même Henry David Thoreau, alors même si lui, il rejette aussi cette culture. Mais c'est tout. Et puis, jusqu'à la fin, bon, là, pour remonter à une... le contre-exemple, c'est un Allemand, Karl Emery, qui est, lui, en 1970. Mais toute cette veine... Alors là aussi, ça nous emmènerait extrêmement loin sur les relations entre, justement, le protestantisme dans sa veine puritaine et puis l'écologie. Mais pour terminer, puisque ce anarchie-écologie, c'était le sujet, alors moi, je pense vraiment que... Et là, c'est, ça, d'une certaine façon, ça n'a rien à voir. C'est indépendant du livre d'Ellul sur le sujet. Moi, je pense que c'est absolument naturel quand on est anarchiste, eh bien, non, n'importe quoi. Quand on est chrétien, d'être anarchiste. Oui, ouais. Oui. Si on reprend, je dirais, si on va jusqu'au bout. Alors, je ne dis pas qu'on y arrive dans les deux cas. C'est comme se dire, vous voyez, moi, je suis chrétien. Moi, je sais personnellement, j'en suis incapable de dire je suis chrétien. Ça fonctionne à la fois comme un idéal, quoi. C'est une éthique pour maintenant. L'idéal d'une société à construire, ça ne veut pas dire que, hop, ça va se faire tout de suite, ça marche. Non, mais ça me semble évidemment... Sur Ellul, qu'est-ce qui vous est apparu, c'est une question vertigineuse, hein, il nous faudrait des heures, mais à votre contact répété avec lui, avec vos dialogues, avec vos échanges, c'est quoi le Ellul que vous retenez, si je puis dire? Est-ce que c'est justement le philosophe, le sociologue de la technique, on pourrait presque dire l'historien du droit et de l'État, parce qu'il a commencé en étant agrégé d'histoire du droit, quand même. Alors moi, je vais vous décevoir parce que je vais vous décevoir parce que comme c'est tellement personnel, j'ai pas envie de parler de ses idées ce soir d'Ellul parce que j'en ai bien parlé par ailleurs. On me reproche de toujours parler d'Ellul. Alors faut pas me pousser. Mais moi, ce qui ressort d'Ellul, ça a été et en plus j'ai eu cette chance. Alors il paraît que dans sa jeunesse, il pouvait être comme Charbonneau d'ailleurs. Hein. Un peu plus, parce que j'ai quand même interrogé ses contemporains, mais les vieux, sans doute plus cassants. Mais il était comme c'est normal quand on a 20 ans et on est persuadé qu'on détient la vérité. Plus tard aussi, mais vous dites qu'il moi, il a des formulations qui peuvent sembler abruptes, oui, voire péremptoires. Absolument, hein, parfaitement. Quand il écrit, c'est pas justement l'homme, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai eu pendant ça, je peux le dire, pendant les oui, une bonne vingtaine d'années d'échanges, j'ai eu sous les yeux vraiment quelqu'un qui était, mais vraiment, il y avait qui était bienveillant, qui pour le coup n'a jamais cherché à me convertir, puisque d'une certaine façon, j'étais pas à l'époque, il y a bien de choses. Hein. D'ailleurs, au tout début à Sciences Po, j'étais pas du tout élulien, moi, hein. Donc bon, élul, non, c'est pas venu. Il n'a jamais, c'est bon. Donc c'était ça le souvenir. Et après, il y a eu un, oui, il y a eu un attachement avec l'homme. Bon, ses idées, après ses idées. Et d'ailleurs au passage, bon, c'est pas un philosophe, c'est vraiment un penseur. Alors, on peut le ranger dans la catégorie, oui, sociologue. Il n'y a pas de problème. Il réalise vraiment une sociologie de la technique, hein, qui reste très très concrète. Et il a mis le doigt sur cette question absolument essentielle que la technique c'est pas la machine, qu'elle est ambivalente, que finalement c'est qu'elle est autonome, qu'elle a besoin de raison pour progresser. Que c'est la recherche dans tous les domaines de la du moyen, de la méthode absolument le plus efficace. Et ça, il faut quand même le rappeler, Patrick, qu'il écrit la technique ou l'enjeu du siècle en 54 quand même. Absolument, oui. Il avait même cette réflexion. Beaucoup plus tôt. Bon, c'est... Si on passe à Charbonneau, vous l'évoquez par une incise, vous dites que si vous aviez mieux connu les travaux de Charbonneau, vous auriez été plus critique sur les réflexions de Zev Sternel dans son analyse du fascisme à la française. Qu'est-ce qui s'est passé là? Quel a été le procès qui a été fait, vous dites-vous, infondé à Charbonneau?
Non, c'était pas à Charbonneau, c'était à tout ce courant personnaliste qu'il représentait. Oui, parce que tous les deux, quand ils sont jeunes, ils sont tangentiels au personnalisme. Non, ils sont carrément. Ils ont quand même créé un groupe un peu autonome à Bordeaux. Ils sont franchement un groupe autonome, mais ce sont des personnalistes. Ils ont évidemment rencontré Mounier, mais il y a deux grandes tendances. Il y a la tendance Ordre Nouveau qui n'a rien, je répète, et toute ma vie je le répéterai, qui n'a rien à voir avec le groupe des années 70, qui est un groupe d'extrême droite, etc. Il y avait deux revues. D'un côté, il y avait Denis de Rougemont et bien d'autres, Marc, Alexandre Marc, etc., et d'autres. Et puis, de l'autre côté, il y avait Mounier, Georges Izard, etc. Et au début, ils étaient avec Mounier. Et puis, très vite, d'ailleurs, ils avaient leur propre groupe de réflexion avant d'aller voir Mounier. Et puis, ils se sont autonomisés et ils ont fondé une tendance qu'on peut qualifier effectivement de gasconne. Moi, je préfère parler des personnalistes du Sud-Ouest, qui étaient Bordeaux, Pau, Toulouse, Bayonne. Mais ça reste pour le coup aussi vraiment le petit troupeau, déjà que les personnalistes dans l'ensemble. Alors, pour aller très vite, parce que c'est franchement pas vraiment très, c'est pas fondamental, c'est vrai que dans Ni droite ni gauche, le livre de Sternel, et c'est vrai que moi j'y suis allé, d'ailleurs c'est ça, enfin c'est un rôle un peu. Oui, parce que vous dites, quand vous êtes allé l'interviewer, vous racontez ça dans le livre, dans le Béarn, dans sa maison du Béarn. Oui. Vous arrivez, aurait dit après à Jacques Ellul, il m'a pas ménagé. Oui, il l'a dit à son fils, à Simon. Oui. Mais non, parce que l'histoire, c'est qu'à partir de là, à partir de ce livre que j'avais lu et relu, le livre de Sternel, c'est d'expliquer que tout ce mouvement personnaliste, en gros, c'était alors j'en ai même fait un jeu de mots dans le livre en disant, puisque Charbonneau et Ellul se définissaient comme des, à l'époque de leur manifeste en 35, comme des révolutionnaires malgré eux, eh bien Sternel, il connaît même pas Ellul et Charbonneau, il qualifiait l'ensemble de tout ce mouvement personnaliste de fascistes sans le savoir, c'est-à-dire des fascistes sans l'uniforme. Mais c'est un véritable contresens. C'est un contresens d'ailleurs en général sur le mouvement personnaliste. Mais alors, s'il y a vraiment un cas où c'est un contresens, c'est dans le cas du groupe Ellul Charbonneau. Parce que pour le coup, si les mots ont un sens, le fascisme, c'est très très clair, c'est l'adoration de l'État. Or, Ellul et Charbonneau, l'adoration de l'État, c'est précisément... Eux, ils ne dressaient pas les... Même quand ils faisaient du scoutisme, ils ne hissaient pas le drapeau. Alors, leur façon, c'était de le monter mieux pour... Enfin, bon, bref, ils ont fait précisément un peu du... À bien des égards, de l'antiscoutisme. Ils avaient une allergie à tout ce qui peut relever... De la dictature, de ce qui peut de l'autorité, de la hiérarchie, ils ont deux, de la discipline. Ils ont 2 ans de différence. Ils se rencontrent. Je voulais quand même terminer. Donc, pour cet entretien, c'est vrai que j'ai questionné pour bon. Et c'est vrai que si j'avais à l'époque, je ne savais peut-être pas assez. Et je le suspectais et tout. Il n'a rien laissé paraître, mais après, il a dit quand même. Enfin, en gros, j'avais un peu... Alors, je reviens rapidement à leur histoire, tous les deux. Donc, Charbonneau a 2 ans de plus qu'Ellul. Ils se sont rencontrés, je crois, en classe préparatoire, ou au lycée, c'est quelque chose qui est très dur à établir, parce que ni l'un ni l'autre... Et après, là c'est grâce à... L'un et l'autre, ils ne se rappellent absolument pas. Ils n'étaient pas dans la même classe, mais ils étaient... au lycée Montaigne, mais une seule... Mais alors, pourquoi est-ce que Charbonneau, il se déclare volontiers comme post-chrétien, il refuse de croire en la divinité de Jésus, vous dites. Il est ça, c'est une différence importante avec Ellul. Oui, alors je vais y venir, mais sur Charbonneau, moi je crois qu'il y a, alors il y a une richesse d'une œuvre qui est extraordinaire. Il y a, aux lecteurs qui ne l'ont pas encore lu, je recommande, pour le bonheur de lecture et puis aussi pour la pensée, qui fonctionne beaucoup par paradoxe. Sur sa machine, l'homme fuit la machine. Et il décrit à l'époque, là, dans justement l'embouteillage, justement, mais il est bien placé d'ailleurs à Bordeaux et ailleurs, pour voir cette. La comédie du week-end, il a écrit aussi L'homme auto, un pamphlet contre ce qu'il appelait la civilisation de la bagnole. Bon, et l'idée centrale, c'est bien présomptueux de ma part, mais c'est lui-même,
donc je peux m'autoriser, puisque lui le faisait. L'idée centrale de sa pensée, c'est de dire que le développement, le progrès technique et scientifique, ce qu'il détruit, c'est pas la nature en tant que telle, c'est la capacité de l'homme d'éprouver la liberté dans sa confrontation à la nature. C'est ça, justement. C'est, il ne peut y avoir de liberté, parce que c'est une conception extrêmement incarnée de la liberté. C'est ça, en fait, vous dites même, il aime l'anarchie comme il aime la liberté, mais il se méfie de l'esprit de système. Absolument. Voilà. C'est tout est là. C'est-à-dire que lui, même son, je dirais que ça, son écologie, hein, elle vient pas des livres. C'est un gosse qui est, la découvre quand il voit, comme il me le dit, la civilisation, comme il l'a dit à d'autres, la civilisation de la bagnole arriver sous ses fenêtres, dans sa rue. Et il a le... C'est un citadin qui a la bougeotte et qui adore marcher, faire du camping, sans carte, sans route, à pied, en vélo, explorer des territoires inconnus et aller planter la tente pour le temps d'une soirée, pour et se créer une... là aussi, c'est un débat, se créer une petite patrie pour un soir. Ouais. Hein. Alors, il a ce point commun avec Élisée Reclus d'être un géographe, il est professeur de géographie, et d'une certaine façon, il va laisser tomber une carrière qui aurait pu être une carrière universitaire, hein, pour s'installer donc sur les confins piémont des Pyrénées. Quoi. C'est là que vous allez le rencontrer. Il a eu de cesse de s'éloigner des centres urbains. Où il a décidé justement de pas... Alors, autant il avait été un élève indiscipliné au lycée, autant après, à l'université, en 35, il a eu son agrégation. Et après, en effet, hein, il s'éloigne des centres urbains, et effectivement, c'est pas ce qui va favoriser la notoriété pour son œuvre. Mais comme vous avez posé de questions à laquelle je n'ai pas répondu... post-chrétien. Oui. Post-chrétien, pourquoi ? Ou vous dites, oui, aussi spiritualiste. Bon. Alors, parce que normalement, il est agnostique, mais lui, il dit post-chrétien parce qu'il considère qu'après le christianisme, eh bien, toute déclaration, c'est-à-dire qu'il est surtout en guerre, si on peut dire, ou en conflit avec un représentant de l'écologie qui s'appelle Robert Reynard, qui est connu plutôt des naturalistes, qui est partisan de ce qu'on appelle le naturisme intégral. En fait, c'est un panthéisme. Et la position de Robert Reynard, c'est du panthéisme. Alors, et là, Charbonneau vit ça comme étant une régression. Alors lui, sa question, c'est de dire qu'il ne croit pas en la divinité du Christ. Voilà pourquoi il se considère comme post-chrétien. Mais il considère que le christianisme a irrigué notre société. Et je dirais pour... d'ailleurs, il considère que une certaine façon... Enfin, il considère... Oui, voilà, c'est Jésus et notre frère. Mais j'allais retrouver d'autres choses sur la... sur ce qu'était c'est, le... On va passer mais c'est passionnant, cette question. À Ivan Illich, parce que... oui. Mais quand même, vous citez, je crois que c'est important, parce que c'est peut-être son livre le plus fort, le plus beau, Le Jardin de Babylone. Hein, pour Charbonneau. Pour Charbonneau, hein. Vous citez un certain nombre de textes, hein, de passages, oui, du Jardin de Babylone. Je, pour le plaisir, je fais juste une petite énumération. Le touriste survole la nature, le pêcheur ou le chasseur y pénètre. Hein, ou encore l'industrie du loisir qui fabrique du superflu, qui peut être indéfiniment accru, est un des moteurs du développement. Et comme la nature est son objet, l'industrie du loisir est la première cause de son ravage. Voilà. C'est quand même d'une salutaire modernité. Hein. C'est-à-dire qu'il a mis le doigt sur quelque chose qui semble être une évidence, c'est-à-dire la marchandisation de la nature, c'est-à-dire que le naturel, le beau, la villa au bord de la mer, eh bien, par exemple, il le dit quelque part, construire maison avec vue sur mer, ça veut dire c'est priver 100, 200, 500, 1000 personnes précisément de l'accès, de la vue sur la mer. Il a
bien sûr, toucher du doigt la différence, c'est-à-dire que la, tout ce qui peut être le rôle du pionnier, c'est pour ça que je l'embêtais beaucoup là-dessus en disant que sa pensée était une pensée élitaire ou élitiste, aristocratique, parce que le fait que le sentiment de la nature s'exaspère précisément au moment où elle disparaît sous nos yeux. C'est-à-dire qu'en fait, la nature va dépérir d'être trop aimée, justement, puisque tout le monde va aller se précipiter sur les endroits. Et après, je termine juste sur ce point, et où il est lui aussi en désaccord, c'est la question des, justement, des parcs, des zones protégées, parce que c'est mettre la nature sous cloche. Et c'est pour ça qu'aussi, Ellul est en accord là-dessus, et qu'il avait écrit un article « Plaidoyer contre la défense de l'environnement », parce que justement, ce n'est pas l'environnement de la plupart de nos concitoyens. Et donc, interdire des petits lieux très protégés pour après avoir le droit de saccager tout le reste, parce que c'est ça qu'il s'agit, tout le reste du territoire, ce n'est pas la solution. Alors, on peut pas ne pas évoquer Ivan Illich. Bon, là, en plus, il y a des pages très personnelles sur votre séjour, quand il est à Bordeaux, vous êtes là, vous l'accompagnez, vous échangez. Bon, moi, je me souviens, puisqu'on y a assisté ensemble dans ce colloque international en l'honneur de Jacques Ellul, donc en 93, il parle de maître Jacques, d'Ellul. Hein, on a presque l'impression qu'il s'est fait référence à maître Eckert, hein, dans la grande tradition des spiritualistes. Je trouve que l'évocation que vous faites de Illich est tout à fait passionnante, parce qu'elle remet, j'allais dire, l'homme, l'espèce humaine, au cœur de la dimension à la fois de l'anarchie et de l'écologie. Et je cite ce que vous dites, parce que je trouve ça très, très intéressant. Page 155, c'est là qu'on sent que vous avez une sorte de tendresse amicale pour Ivan Illich. Vous dites, tout comme Ellul, il proscrit plus qu'il ne prescrit, et il croit en l'amitié, en l'art du plaisir et en l'art de souffrir, en l'art de vivre et en l'art de mourir, pour terminer par, chez lui, la recherche théorique se substitue progressivement à l'analyse politique, sans renoncer à la pratique de l'amitié. On pense aussi à politique de l'amitié, un très beau texte qu'a pu écrire Derrida ou même Lévinas. Mais là, précisément, Illich, vous dites, il y a deux Illich, le Illich de la notoriété avec ses gros succès de librairie, puis à partir de 81-82, il y a un deuxième Illich. C'est ce deuxième Illich qui vous a le plus séduit, je pense. Alors, c'est pas par, je dirais, pas par le plan, au plan théorique, parce que au plan théorique, ça, c'est un, il mène un travail qui est vraiment qui est difficile d'accès, donc là j'y ai épuisé des éléments, mais pour ma partie là, pour l'écologie, c'est vrai que j'ai travaillé sur les, mais par contre c'est le moment où il est sans doute pour moi le plus intéressant comme homme, c'est un sacré paradoxe, hein. Par contre, sur le plan des idées, c'est, j'ai puisé dans les cinq livres qu'il appelait des pamphlets. N'empêche que c'est là où on retrouve tout ce qui peut être opérationnel et qu'il l'est encore aujourd'hui. D'ailleurs, ce samedi à Paris, il y a une journée qui s'intitule Lire Illich à Paris, là, à la Maison du Climat, dans le 4e arrondissement, et en hommage à Illich. Vous citez des entretiens avec David Cayley. Je ne sais pas si je prononce bien. Et c'est d'ailleurs avec cette phrase que vous avez ouvert ce chapitre. Le plus grand service que l'on puisse rendre au monde et à ses semblables consiste à changer son cœur. Voilà. Alors, on va terminer avec Murray Bookchin. Alors là, on n'est pas du tout dans une tradition protestante. C'est un origine Europe centrale, juif d'Europe centrale, arrivé à New York. Bon, vous dites que c'est sans doute le plus anarchiste des écologistes et le plus écologiste des anarchistes. Alors, je voulais vous montrer, parce que vous en parlez, c'est une couverture d'un en fait, ça a grandi, mais c'est un petit livre de Abdullah Öcalan. Donc, c'est sur le site du PKK, confédéralisme démocratique, parce que Murray Bookchin,
et Dixit Öcalan, un peu un de ses maîtres, un de ses inspirateurs. Et tout ce que fait en particulier, tout ce que font les Kurdes aujourd'hui au niveau du municipalisme, de cette dimension locale, trouve un peu chez Bookchin des racines. Mais je vous vois un peu dubitatif. Évidemment, parce que je me rappelle la première fois où les étudiants attirent l'attention sur cette dimension me parlant du PKK, d'Öcalan qui est en prison. J'ai quand même été surpris parce que la tradition du PKK, pour aller vite, hein, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais ça reste quand même une tradition très marxiste-léniniste. Mmh. Et donc avec un certain nombre de méthodes qui me semblent assez éloignées. Bon, après, c'est vrai que ça, c'est mes convictions les plus profondes. On peut changer. Alors, une fois encore, je ne suis pas assez spécialiste du PKK. Mais en plus, c'est des questions de territoire. Mmh. Alors, on ne peut pas mettre ça sur l'ensemble des revendications ou des méthodes kurdes, et même du PKK. En plus, le PKK, où est-il? Est-ce que c'est la partie qui agit en Turquie? Est-ce que c'est la partie qui agit en Syrie? Alors, au Rojava, c'est visiblement l'endroit où ces idées seraient... Donc, il y a eu une correspondance entre les deux. Maintenant, de là à dire... Ça, il faut faire extrêmement attention, après, avec les influences. Parce qu'après, on risque de prendre l'effet pour la cause. C'est comme quand on rendait, finalement, presque directement responsable, parce que... Jean-Jacques Rousseau du génocide des Khmers Rouges, parce que Khieu Sampan et puis je ne sais plus qui l'autre avaient fait leurs études à Paris, étaient des grands lecteurs de Rousseau. Alors la version du contrat social, attention. Bookchin ne se réduit pas, oui, voilà. Alors pour revenir à Bookchin, c'est compliqué. Bookchin a lui-même une trajectoire un peu compliquée parce que il. Dans la fin, c'est ses grands-parents qui étaient déjà la grand-mère qui était déjà arrivée à New York. Dans la fin de sa vie, je dirais intellectuelle, il prend un peu ses distances aussi avec les amis, avec l'anarchisme. Ah oui, ils rompent avec l'anarchisme. Ils les trouvent pas assez sociaux, dit-il, et ils les trouvent trop. Alors pas un individualiste dans ce sens-là, mais il est. Oui, il rompt aussi, et donc il se définit à la fin non plus comme anarchiste, mais comme communaliste. Communaliste, absolument. Hein. Communaliste, pas communiste, communaliste. Et donc, qui renvoie justement à sa conception du municipalisme libertaire et à cette vision. Hein, et ça veut dire que pour lui, ce qui est extrêmement aussi important, et c'est le point commun aussi qu'on retrouve, qui balaye l'ensemble de ses auteurs, c'est la dimension, c'est la question de taille qui nous renvoie aussi à Illich, mais à tous. C'est-à-dire qu'évidemment, le modèle de société qu'il préconise suppose des petits groupes, des petites communautés, et même pour, dans le cas d'Illich, de Bookchin, c'est très précisément le rêve ou l'aspiration à avoir des communes au sens américain, hein, de taille moyenne, de population moyenne, avec une sorte de lien, de réseau, de fédération, partant de la base jusqu'au sommet. Ça, c'est une constante. C'est-à-dire que le pouvoir, là, il part toujours de la base, il part toujours du bas, et il n'y a jamais l'idée, une fois encore, de ce qui serait d'ailleurs, pour le coup, réellement utopique, de s'emparer des pouvoirs. Au passage, pourquoi en faire, avec quelle méthode? Et là, c'est sûr que c'est la négation. Ça va nous permettre d'arriver à la conclusion, parce que votre conclusion, elle est aussi très personnelle, comme l'était l'introduction ou l'avertissement. Le titre de votre conclusion, c'est « Assez de paroles, des actes ?» Point d'interrogation. Et quand on vous lit, on a de quoi être inquiet, d'ailleurs, un peu. Je ne dis pas que le livre se termine sur une touche pessimiste, mais bon, vous êtes un politiste professionnel, vous savez bien que la science politique n'est pas prédictive. Mais je ne fais pas de science politique, là. Je vous lis, à la fin de votre livre, vous écrivez « Dans ces conditions, et si l'on en juge par les méthodes expérimentées au plus fort de la pandémie de Covid-19, il y a fort à parier qu'à plus ou moins longue échéance,
L'écologie dite punitive ne sera pas instaurée par quelques Khmers verts, ah oui, ni par d'obscurs anarcho-primitivistes, mais par les gouvernements eux-mêmes. Oui, c'est très bien de me le rappeler, parce que c'est exactement ce que je pense au plus profond de moi. C'est-à-dire que, alors, au passage, hein, pessimiste, oui, ça, c'est, je l'ai entendu tout le temps, et lui, il l'a entendu tout le temps. C'est une qualité morale, le pessimisme. C'est la question, c'est de savoir... C'est la lucidité. C'est, bon, c'est tout. Et, enfin, pessimisme, une fois encore, c'est une qualité morale. Donc, peut-être, ça, non, d'ailleurs, au passage, ça n'empêche pas de l'être, aussi, ça dépend des jours, comment je me lève, le temps, ce que j'ai vu sur la route en venant, d'ailleurs, en marchant. Là, j'ai vu des... Bon, bref. Ça, alors là, je me dis, oui, voilà, je suis gagné par le pessimisme. Est-ce que la situation est inquiétante? Moi, ce que je crois réellement, c'est que, en effet, si on ne prend pas le risque de ces auteurs, ils nous permettent de faire le pas de côté. C'est-à-dire que, évidemment, chacun dans leur domaine, ils interviennent avec leur recul, leur expérience, toute leur subjectivité, d'accord. Mais on dit, mais oui, mais comment? On va y venir après. Mais ils nous permettent justement de faire ce pas de côté nécessaire. D'ailleurs, c'est la fonction de l'utopie, pour se dire, mais comment pourrait être le monde, justement? Quel type de monde on veut? Bon, après, on discute sur comment y arriver. Et ce que je crois profondément, là, c'est que si, de toute façon, on n'opère pas ces changements qui sont des changements difficiles. C'est pour ça que c'est pas assez. Il faut être, pour le coup, lucide. Ça ne veut pas dire qu'on va déprimer, aller se jeter dans la Garonne ou ailleurs, aller se noyer. Ce que je crois vraiment, c'est qu'il va se mettre... Mais d'ailleurs, on en a vu un petit avant-goût. C'est-à-dire que va se mettre en place, à plus ou moins long terme, hein, pour le coup, moi, j'ai pas de capacité prédictive, une sorte de, appelons comme on veut, de tyrannie mondiale, mais qui pourra être très bien, très propre, très sophistiquée, de gouvernance mondiale, autoritaire, qui va en effet intervenir sur le rationnement et l'allocation de biens devenus rares, de ressources rares. Et ça se fera, une fois encore, de façon, de façon policière, tout simplement, administrative et policière. Et le degré de violence interviendra selon... Donc, en réalité, on a, me semble-t-il, on n'a pas beaucoup le choix autrement. Après, on peut toujours faire semblant de ne pas le voir. Après aussi, j'aurais un certain nombre de paramètres, pour le coup, chiffrés concernant l'état du monde à l'heure actuelle, qui m'insiste à dire qu'on ne peut pas, en effet, continuer comme ça. Alors, on va terminer par un conseil du sage, si je puis dire, Patrick Chastenet, qui ne proscrit pas et qui ne prescrit pas non plus, mais qui dit, pour éviter à la fois les dérives de l'activisme et l'hypocrisie du verdissement de l'économie, ne faudrait-il pas au préalable se doter d'une doctrine cohérente? Oui, mais alors, je crois que c'est tout à fait, et ce sera l'habitation. Oui, c'est la fin. C'est le sens de ce assez de paroles des actes, qui était c'est parti du catalogue des lieux communs. Ben, ça veut dire tout simplement, c'est très bien, moi, je, pour le coup. Que je comprends tout à fait dans la jeunesse, pour le coup, une impatience qui pousse à aller asperger les tableaux. Donc, je crois toutes les formes certainement sont bonnes. Pour le coup, je suis pas dans la position de celui qui va distribuer les bons points et je l'ai jamais été. Je veux pas l'être. C'est pas maintenant que j'ai commencé à le faire. Mais je crois qu'en réalité, ce qui manque, c'est pas nouveau. Mais il n'y a pas de doctrine, me semble-t-il, cohérente. J'ai la faiblesse de croire que ces auteurs ou un d'entre eux pourrait donner justement peut-être des bases de réflexion, ouvrir des portes, et que ces auteurs sont très 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 actuels, que je pense que ça a été le sens de notre échange. Hein, ouais. Et ils peuvent justement apporter à ce pour pas désespérer précisément. Et les phénomènes d'éco-anxiété sont réels pour une partie de la population et la population jeune. Merci beaucoup, Patrick Chastenet. Donc, les racines libertaires de l'écologie politique, je pense qu'on peut vous applaudir. Merci.